Et bonjour à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo vite fait avec ma tronche défoncée. Alors vous m'en voulez pas, j'ai chopé une angine il y a quelques jours, donc j'ai encore le nez comme ça, parce que moi j'ai les sinus pourris déjà à la base. Du coup, une petite vidéo pour vous dire que là, bon, après la vidéo, en fait c'est juste après la vidéo de Ghost of Tsushima, j'ai chopé une putain d'angine. Donc, du coup j'ai rien ressorti depuis. Juste pour vous dire que là, je vais partir quelques jours sur la côte, voilà, tranquille. Alors, on va faire attention, le masque dans les magasins, tout ça, évidemment. Je vais partir quelques jours. Et donc, on attaquera le mois d'août. Je sais pas encore sur quoi. Alors, si j'ai racheté encore un truc pour un boost test, normalement, d'ici la fin de l'année, il y aura encore 3 boost tests de prévu pour l'instant. Alors, il y en a 2 sur des jeux moto-voiture encore, comme le premier. Mais il y en a eu beaucoup aussi, des jeux de merde comme ça. Alors les 3 prévus sont encore sur PS4. Alors c'est pas parce qu'il y a que des boosts sur PS4, parce que ces jeux-là, ils sont multiplateformes. Mais c'est simplement parce que sur PS4, le dernier que je viens d'acheter, je l'ai trouvé à 10 balles, alors qu'il est à 20 sur Switch et Xbox One. Que celui, le précédent, j'ai dû le trouver à 5 ou 6 euros. Enfin, les deux autres que j'ai prévus aussi, j'ai dû les trouver à 5-6 euros. Pareil, un sur le store et un en boîte, alors que sur Xbox, ils étaient à 15-20, quoi. Donc je les ai pris au moins cher, hein, des jeux de merde comme ça, je vais pas les prendre au plus cher, je les ai pris au moins cher. Donc il y aura au moins 3 boost tests de prévu encore d'ici la fin de l'année. Et au mois d'août, je sais pas trop quoi vous faire, parce que dans les jeux entre guillemets nouveaux, enfin qui vont sortir, au mois d'août, il n'y a pas énormément de choses. Et surtout, tout ce qui va sortir fin août. Dans ce qui pourrait éventuellement m'intéresser. Alors le jeu sûr, c'est Project Cars 3. Je sais pas encore si je le ferai sur PC ou sur Xbox ou PS4, parce que sur PC j'ai l'impression qu'il sera pas sur Steam et j'ai pas envie de me faire un compte Epic, ça me fait chier, donc je suis pas sûr de vous le faire sur PC. Ensuite sur Xbox One je pourrais pas brancher mon volant, sur PS4 c'est pas très confortable parce que mon truc là ça tient pas serré et tout, c'est chiant. Donc après Project Cars 3 normalement il prend un parti pris un petit peu plus grand public, donc normalement, on devrait pouvoir jouer aussi à la manette, un peu comme le dernier Grid. Alors, ce sera sûrement pas aussi arcade, évidemment, mais bon, on verra dans quelle configuration je ferai la vidéo. Donc, il y aura ça, et après, je ne sais pas, en fait. Pour l'instant, le mois d'août, je ne sais pas. Il y a le Modern Warfare 2 Remastered, quel accent, qui est offert sur PS4, là, avec le PS Plus. Donc, comme je joue pas à Call of habituellement, le multi, tout ça, ça m'intéresse pas forcément beaucoup. Mais éventuellement, on peut se faire la campagne en let's play. Faut voir, peut-être que je vais faire ça, selon le temps que je vais avoir. Sachant que là, quand je vais revenir de mes vacances, au moment où je vais revenir de mes vacances, il me restera 2 semaines de vacances encore. Donc, je pense que j'aurai le temps de faire ça. Il y aura un dernier épisode de Grid à poster aussi. Sur la Switch, la Grid Autosport, il y a un dernier épisode que j'ai fait qui reste à poster. Donc, puis après, je vais bien trouver des bricoles à faire. Mais en tout cas, voilà, le programme pour l'instant, c'est ça. C'est que je vais partir quelques jours et qu'ensuite, on verra. Je vais essayer de me remettre de cette foutue angine. Puis après, on verra ce qu'on va faire. Mais parce que c'est vrai que le mois d'août n'est pas forcément beaucoup rempli. Bah, c'est tous les ans comme ça, mais là en plus il y a eu pas mal de trucs repoussés, puisque Mafia, le premier Mafia, le remake, est repoussé en septembre, enfin c'est un bordel pas possible. Du coup, je vais pas avoir grand chose à vous faire en août, et je sens qu'en septembre je vais être débordé, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. Donc, donc on va faire ça comme ça, puis on verra bien. Écoutez, puis peut-être bah, qu'au mois d'août il y aura un des 3 boost tests que j'ai prévu. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Il y en a un que j'avais prévu de tourner il y a longtemps, et puis en fait j'ai pas eu le temps, et après j'ai tourné d'autres choses, et du coup je l'ai pas fait. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui sont pas encore en vacances. J'avais pensé peut-être faire un vlog à un moment donné sur quelques sorties et tout en vacances, mais c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, les vlogs.
Je vois pas trop ce que ça viendrait foutre sur ma chaîne. Donc voilà, je sais pas trop comment tourner ça et tout. Et puis ouais, je vois pas trop ce que ça viendrait foutre sur ma chaîne. Donc je vais sûrement pas le faire. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.